à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je ressors de la bibliothèque. On est parti plus tôt de la maison pour avoir le temps de bien rendre tous les livres, d'avoir le temps de fouiller un petit peu avant de venir récupérer les enfants à l'école. Donc là, je suis dans la voiture entre deux. Donc j'en profite pour faire le retour de livres. Un petit retour de bibliothèque. Donc j'en ai pris pour tout le monde. Ouais. Alors je vais commencer par ceux que j'ai pris pour ma fille de bientôt 10 ans. J'avais pris la dernière fois les Beastars. Je les avais pris pour mon fils. Et en fait, c'est ma fille qui les a lus. J'avais pris les 1, 2, 3 et les a lus super vite. Elle a beaucoup aimé. Donc elle m'a demandé de lui prendre les 3, 4, 5. Les 4, 5, 6. Donc c'est ce que j'ai fait. On a eu de la chance. Ils étaient tous les 3 dispo. Donc je lui ai pris. Pour elle, c'est tout ce que j'ai pris. Parce que je crois qu'elle m'avait demandé autre chose. Mais je m'en souvenais plus. Donc je la déposerai demain matin, elle ira comme ça vite fait récupérer ce dont elle a besoin. Parce qu'elle a droit à 6 livres. Là j'en ai pris 3, elle en a déjà un à la maison. Donc elle pourra en prendre 2 supplémentaires si elle veut. Ensuite pour ma fille de 8 ans, elle n'avait plus rien. Et ce matin elle m'a pas dit avant de partir à l'école, j'ai pas pensé à lui demander si elle voulait d'autres livres et lesquels. Donc j'ai fait un petit choix éclectique. Je lui ai repris une BD Athéna, comme ça, à la recherche de ses pouvoirs. Elle en avait déjà pris une la semaine dernière, c'était une rouge. Là, c'est la verte, je crois pas qu'elle l'ait déjà lue. Elle m'a l'air toute neuve, donc je pense pas qu'elle l'ait déjà lue. Ensuite, ça, c'est un truc qui est nouveau dans notre médiathèque. Ça s'appelle Ali. Et c'est la nouvelle école. Alors, il y a plusieurs livres de Ali. Il n'y a pas de numéro, donc je pense pas que ce soit une histoire qui se suive. Ce sont sûrement des histoires indépendantes. Mais en tout cas, la couverture, je la trouve très très jolie pour une petite fille. Ça a l'air sympa. Malheureusement, c'est pas illustré. Mais c'est quand même écrit assez gros, donc je pense que ça devrait lui plaire. Enfin, en tout cas, ça m'a l'air mignonnet. Donc je lui ai pris ça. Ensuite, je lui ai repris un livre des ballerines magiques. Donc là, c'est le carnaval des bonbons. Vu que c'est bientôt carnaval, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et ceux-là, la bibliothèque rose, ils sont illustrés. Un autre de la bibliothèque rose, je lui ai pris Fantomette au carnaval. Pareil, pour être toujours dans le thème du carnaval. Même si celui-ci n'est pas très illustré, il est hyper vieux. Il a été rafistolé de tous les côtés. Ensuite, je lui ai pris un fil de l'histoire. Donc ça, on en a à la maison quelques-uns. C'est une BD qui parle de l'histoire. Donc je trouve ça très 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 bien fait. Raconté par Ariane et Nino. Et là, celui-ci, c'est Le premier parle sur la Lune. Et vu que mes enfants sont très curieux de tout ce qui est espace, la Lune, les étoiles, les planètes et tout ça. Je pense que ça va leur plaire à tous, mais je l'ai pris pour ma fille de 8 ans. Mais après, je prends pour chacun d'eux, mais en général, presque tout le monde lit tous les livres. Ça circule. Et enfin, je lui ai pris Les grandes, grandes vacances, Le secret. Donc là, c'est pareil, c'est une BD qui parle de la. Je sais plus à quel moment ça se passe, à la Première ou à la Deuxième Guerre mondiale, je sais plus. Ouais, ça va être pendant la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est vraiment très très bien aussi. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à voir en bibliothèque et tout ça proche de chez vous s'ils les ont. Ils sont vraiment bien. Donc ça, c'était pour les deux filles. Je redonne le sac. Tiens, je vais m'accoter toi. D'accord? Fais attention. Ouais. Ensuite, alors. Pour les deux petits, on est toujours dans la série Les petites bêtes. Qu'est-ce qu'il y a le sac? Ah, tu veux que je le mette par terre, d'accord. Ok. Hop là, c'est bon. Donc comme je vous disais. Mais non, c'est pas méchant. Comme je vous disais, pour les deux petits, on est toujours sur la série des drôles de petites bêtes. Donc là, on en a pris trois nouveaux. On a pris Margot l'escargot. À chaque fois, à la fin de l'histoire, il faut que je leur dise tous les noms de tous les personnages. À chaque fois.
Après, on a pris Belle la coccinelle. J'ai pris également Benjamin le lutin. Celui-là, à chaque fois, il me demande en premier qui c'est. Donc, je pense qu'ils vont bien aimer. Donc, on n'a pris que 3, sachant que, on va sûrement y retourner demain ou vendredi. Donc, on changera. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tout à l'heure, avant de rendre les 5 autres livres, je les ai enregistrés. Et donc, dans les prochains jours, ils seront sur ma seconde chaîne, ma chaîne pour enfants, La tête dans les livres. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez la flemme de lire des histoires aux enfants. Moi, je vous les lis, je vous les enregistre. Et après, comme ça vous permet de pouvoir leur faire écouter une petite histoire avant de dormir, même si vous n'avez pas envie de la lire. Ensuite, pour mon fils de 11 ans, il a enfin fini le tome 5 de Gamer. On a prolongé longtemps. Et bah, du coup, là, il avait hâte de passer au 6. Donc, je lui ai pris le 6.1 et le 6.2 de la série Gamer. Et après, il lui restera le 7, le 8 et le 9. Donc, voilà. Je lui ai dit, bah, je prends juste la première partie. Et après, on prendra le deuxième. Il me dit, non, non, prends-moi les deux. J'ai envie de lire les deux. Donc, je lui ai pris les deux en espérant qu'il ne me mette pas autant de temps cette fois à les lire. Et à la maison, il lui reste l'histoire manga, le tome 1. Donc, il a de quoi lire. Et pour moi, même si j'avais pas spécialement besoin de livres parce qu'il m'en restait un à la maison, mais honnêtement, il me saoule le livre que je suis en train de lire là, j'aime pas du tout. Mais je vais quand même aller jusqu'à la fin parce que je vais essayer de comprendre l'histoire. Enfin, je comprends pas en fait si le livre est censé être drôle ou sérieux. Donc déjà, ça me bloque un peu. Et j'ai pris, sur conseil de certaines d'entre vous, Valentin Musso, Une vraie famille. Donc on voit qu'il a été beaucoup lu. Il est bien bien usé en format poche. Parce que j'ai lu un Valentin Musso la semaine dernière et j'ai pas. Enfin, j'ai moyennement aimé. Et du coup, on m'a dit que celui-ci avait vraiment été très très bien et j'en ai lu beaucoup de bien aussi. Donc bah, je vais tenter celui-ci pour voir si je peux me réconcilier avec l'auteur. Et aussi, j'ai pris Des matins heureux. Des matins heureux, oui, Des matins heureux. Un roman de Sophie Talmen que je ne connais pas aux éditions Albin Michel. Et là, pour une fois, j'ai lu le début du résumé parce que du coup, le livre que je suis en train de lire, je suis dégoûtée de ne pas avoir lu le résumé. Ce qui me saoule. Donc là, j'ai quand même commencé à lire le résumé, même si d'habitude je le fais pas. Et à la première page, enfin la première ligne, ça me disait bien. Donc je me dis bon, je continue pas, mais je prends. Donc voilà. Ça m'en fait deux de plus au cas où je finirais l'autre aussi. Vraiment, il me saoule trop et que voilà. Et comme en plus là, je savais que j'allais être en avance, mais même très en avance à l'école, et que j'avais oublié le livre à la maison, je dis bah comme ça me fait de quoi lire aussi dans la voiture en attendant. Voilà. Et bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt.